la valeur du patrimoine fruitier de l'humanité, il y a des industriels qui s'y intéressent de très près, mais qui ont tendance à se l'accaparer. Bah, nous, on est plutôt dans l'idée que c'est un patrimoine qu'il faut développer, et surtout qu'il ne peut vivre que s'il est usé, enfin, s'il y a une utilité et si les gens font usage. Membre fondateur de Pays Arbres. J'ai fait bénévole pendant 3 ans et demi. C'est vraiment l'idée de redonner le goût aux gens de pratiquer la greffe pour travailler sur le côté vivrière, hein, sur le côté de rendre les territoires nourriciers vraiment. C'est sortir un peu de l'idée que d'un côté il y a des producteurs et de l'autre il y a des consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut tous être acteurs de notre nourriture, enfin de ce qui nous fait vivre finalement. Il y a énormément d'alternatives aujourd'hui où on apprend qu'on peut faire de l'énergie soi-même si on vit à côté d'une rivière. Et on se rend compte aussi que si on a accès à la terre, on peut produire et que finalement l'abondance, si on sait y faire et si on sait accompagner la nature dans ce qu'elle nous montre et dans les chemins qu'elle nous ouvre, on a une vraie capacité d'agir avec elle et on a une vraie capacité de recréer de la ressource. Et finalement, les fruits que tu manges sur l'arbre que tu as greffé, tu ne vas pas les acheter au magasin. On sort aussi des rapports directement marchands, donner un maximum d'informations pour que les gens retrouvent le pouvoir d'agir. Et remettre en lien aussi les gens avec leur environnement. On travaille pour soi, mais on travaille aussi pour ceux qui viennent après. Et ça, c'est beau aussi. On est vraiment sur l'arbre fruitier. On va parler de comment on plante bien un arbre, comment on greffe un arbre, comment on peut fabriquer un arbre en semant un pépin et en le greffant plus tard. On va sur des parcelles qui sont là, on les regreffe et on installe des vergers. On fait ça aussi le long de voies des chemins, avec des collectifs dans des villages qui nous contactent. Et donc on va vers les habitants, on leur apprend à greffer et surtout on les remet en lien avec le chemin qu'ils empruntent régulièrement. Et nous, c'est vraiment ça qui est intéressant. On gère aussi des parcelles, c'est-à-dire on essaye de récupérer des parcelles qu'on essaye de collectiviser aussi et qu'on va entretenir avec les adhérents. On a récupéré des parcelles qui étaient déjà en production ou qui avaient été en production. On a une parcelle d'amandiers, il y a une cinquantaine d'amandiers qui sont en production où on récolte. On gère un autre verger diversifié où il y a régulièrement des récoltes en été qu'on partage avec les adhérents. Donc ça permet aussi d'avoir accès à des produits de qualité contre moyennant investissement. Et puis ici, on a des récoltes en devenir. Alors là, ça fait 3 ans qu'on greffe sur cette parcelle. Et on a déjà les premiers fruits noués cette année. Donc on va commencer les récoltes, aussi petites soient-elles. C'est, l'arbre, ça nous inscrit dans une autre temporalité. Les gens, finalement, ils ont une idée de pourquoi ils vont se promener. Ils vont se promener pour entretenir les greffes qu'ils ont faites. Donc ça les remet vraiment en lien. Et ils retrouvent ce lien, finalement. Ils se rendent compte qu'une culture, c'est ça. Vivre ensemble, c'est ça. C'est interagir avec les autres. On est tous en interdépendance. Et la greffe, elle est symbolique de toutes ces histoires-là, d'interdépendance, de vivre ensemble, de bien commun. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette idée-là. On est vachement heureux parce que ça fait 4 ans qu'on a monté cette association. Et depuis peu, on organise des bourses au greffon. Alors le greffon, c'est le petit bout qu'on va chercher dans les arbres pour le greffer, justement. Et il y a 4 ans de ça, on aurait organisé des bourses au greffon. Personne ne serait venu échanger des greffons. Aujourd'hui, on a tous les gens qu'on a formés qui viennent avec des bottes de greffons et donc des potentialités de verger dans les mains, qui échangent un tel une poire qu'il a dans son jardin, qu'il a récupéré de son papy. L'autre, enfin, voilà, il y a toute une vie qui émane de toutes nos actions. Et ça, c'est très touchant aussi de se dire que c'est positif, que ça avance, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de retrouver ce lien et ce sens dans leur vie et qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer pour la souveraineté alimentaire de nos paysages, pour que nos échanges aient du sens, pour manger plutôt les produits d'un paysan du coin parce qu'on le connaît. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se tisser et qui est loin d'être anodin. C'est un vrai changement de société qui est en train de se dessiner là, bien à l'abri des bureaux ministériels qui n'en voient pas encore la réalité. On fait des greffes sur des arbres qui poussent naturellement et spontanément. À savoir qu'on va greffer des arbres donc domestiqués par la culture sur des arbres qui sont là depuis très longtemps et qui sont génétiquement adaptés à leur environnement. Donc on fabrique des arbres fruitiers qui sont très résilients, qui résistent à la sécheresse parce que le racinaire qu'on utilise, il a la capacité de vivre là où il est, c'est-à-dire dans son écosystème naturel. C'est un écotype qui correspond à l'écosystème et qui correspond depuis longtemps parce que ça fait des générations d'arbres qu'il est installé là, quoi. L'arbre, il n'a pas la capacité de se déplacer, mais il a une capacité adaptative qui est énorme. Et donc, au fur et à mesure du temps, l'arbre, il a une mémoire aussi. Et donc, travailler avec le local,
en termes de ressources végétales, ça a du sens parce qu'on bénéficie de cette mémoire et de cette connaissance du végétal. Il y a une intelligence de l'arbre, une intelligence adaptative. On bénéficie de cette intelligence parce qu'on va utiliser, même si on travaille à partir du semis, ben, des pommes qui poussent pas loin pour les planter, et puis une pomme qu'on connaît pour la greffer qui pousse pas loin non plus. C'est fantastique, moi je trouve ça absolument fascinant, quoi, cette idée de que le végétal, finalement, il n'a pas de sénescence programmée, et il n'est pas programmé pour mourir. Et si on lui donne régulièrement des nouvelles racines par ce geste qu'est la greffe, on participe de son immortalité et de sa conservation. Aujourd'hui, quand je transmets ce plaisir que j'ai à greffer, je sais que je suis à ma place. J'ai eu un deuil assez compliqué dans ma vie et j'avais beaucoup de mal à revenir vers les humains. Je trouvais que les humains, c'était pas très intéressant. C'était triste ce qu'ils mettaient en place, ce côté chacun dans sa boîte et dans sa cage et qu'il n'y a plus du coup de rapport avec les autres et tout le monde qui pense à son petit intérêt personnel. Et finalement, les arbres, ils m'ont remis sur le chemin du bien commun et de cette chose qui me semble fondamentale, qui est être au monde, c'est être avec les autres. Et c'est les connaître et c'est savoir les apprécier pour ce qu'ils ont de différent aussi. C'est pour ça que j'aime tant les arbres, parce qu'ils m'apprennent qu'on apprend beaucoup de la différence et de ce qui ne nous ressemble pas finalement, et qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. Quand je parle de bien commun, c'est que je pense que on peut aussi développer des choses qui ne soient pas vendables, qui n'ont pas de prix, ça n'a pas de valeur. Ça a énormément de sens pour moi de retrouver ces fruits oubliés, de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont du pouvoir, leur redonner du pouvoir avec ce petit geste qu'est la greffe. Ben, ils se rendent compte qu'ils peuvent transformer finalement. C'est une façon, il n'y a pas de doute, quoi. Quand tu vas greffer un arbre et que dans 5 ans tu auras des poires, ton geste, tu sais tout de suite, le résultat il est visible tout de suite, quoi. La paysannerie vivrière familiale, elle a complètement disparu. Aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'on est à 6% de paysans. Il y a 60 ans en arrière, il y avait 80% des gens qui avaient un rapport à la terre et qui avaient un usage de l'endroit où ils habitaient. Aujourd'hui, quand on regarde les paysages qui nous entourent, on se rend compte qu'on est entouré par une forêt méditerranéenne qui est complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que ça fait 10 000 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que le paysage qui est en train de se réinstaller sur nos terres, c'est un paysage qu'on n'a pas vu depuis le néolithique. Finalement, si on regarde le paysage aujourd'hui, on se dit ben, l'homme qui vit au milieu de ça, il n'a plus aucune culture, il n'interagit plus du tout avec son territoire et il laisse la nature sauvage se réinstaller complètement. Ça veut dire aussi que qu'est-ce qu'il mange, quoi ? Donc il mange parce qu'il a un accès au supermarché, mais si demain cet accès il cesse, on se rend compte que nos territoires n'ont plus la capacité de nous nourrir parce que les gens qui l'habitent n'ont plus de culture. De ne pas avoir peur de ça. Alors je parle de la greffe végétale, souvent les gens ils viennent en formation, ils disent mais ça a l'air très compliqué et tout. Greffer c'est vraiment facile. Trouver des ressources locales, voir des associations comme la nôtre, il y en a plusieurs, hein. On n'est pas les seuls à pratiquer ce genre de choses. Venez nous rencontrer, on se déplace aussi, on peut répondre à la demande, on peut se déplacer, organiser des formations chez vous, justement autour de groupes de personnes qui sont motivées mais qui n'ont pas forcément la technique. Nous, on accompagne des groupes justement pour retrouver cette technique et ce goût de greffer. Il faut se former, hein, bien évidemment, il y a des techniques. Il faut retrouver ces vieux savoirs paysans, encore une fois, on n'a rien inventé. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de façons de se former, l'information circule, moi je suis confiant. Pour moi, le message du végétal, c'est vraiment le message de la vie, quoi. C'est 90% de la masse vivante de la planète qui s'exprime là. La photosynthèse, c'est le cœur du monde. C'est ça qui fonde le monde, on ne peut pas s'en passer. Et interagir avec eux, c'est aller dans le sens de l'intelligence, quoi. Pour moi, le message du végétal, c'est vraiment le message de la vie, quoi. C'est 90% de la masse vivante de la planète qui s'exprime là. La photosynthèse, c'est le cœur du monde. C'est ça qui fonde le monde, on ne peut pas s'en passer. Et interagir avec eux, c'est aller dans le sens de l'intelligence, quoi. Allez-y, c'est facile et c'est pas cher. Voilà. Et je monte toujours ce petit outil parce que c'est l'outil de la transformation, quoi. Donc on peut changer le monde avec un greffoir et un peu de technique.